Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce match en compagnie de Christophe Dugarry. Et bonjour Grégoire, quelle ambiance dehors, j'étais avec les supporters. On a chanté, on a dansé, je peux vous dire qu'ils vont encourager leur équipe comme jamais. Je peux vous garantir qu'il y a sur la pelouse des joueurs qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes, quelle que soit la rencontre. On espère un très beau spectacle dans un match sans véritable enjeu, mais avec énormément de talent sur la pelouse. Deux très belles équipes qui ont l'habitude de s'imposer, des tribunes en feu, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on se régale aujourd'hui. Pour Messi, ça va être bon. Là, il doit marquer. Oh, la bonne frappe, elle est captée par le gardien. Felipe Melo, c'est un ballon gagné. Là, il y a faute, coup franc. Il aurait pu être sanctionné, mais finalement c'est simplement un rappel à l'ordre verbal de l'arbitre. À cette distance, plusieurs options possibles. Il n'arrive pas à trouver la faille dans cette défense. Et Yaya Touré. Abidal. C'est très bien joué de la part du défenseur. Il a eu un bon timing, mais sans réussite. Messi. Sa pointe de vitesse est exceptionnelle. Quelle bonne défense. Camoranesi. Iniesta, il est vraiment increvable. Ibrahimovic. Xavi. Belle frappe, mais directement sur le gardien. Camoranesi. Grigera. Oh, il y a faute, c'est sûr. Coup franc. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps. Sissoko. Avec Amaury. Voilà un bon travail défensif. Ibrahimovic. Face à face avec le gardien. Ibrahimovic. Et c'est dedans. Fantastique, il marque dans cette première période, un but important bien sûr pour la suite de la rencontre. Allez, quel sang-froid et quelle sérénité, à aucun moment il n'a paniqué face au gardien. Et ça chante, ça danse dans les tribunes et bien sûr ça donne à cette rencontre un relief encore plus particulier. Et c'est reparti sur ce score de 1-0. Bon, le spectacle risque d'être de bien meilleure qualité maintenant que l'adversaire est obligé de faire le jeu. Alors, au niveau de la circulation du ballon, rien à dire, mais maintenant, il faut être super réaliste. Ils vont peut-être égaliser grâce à ce centre. Un beau centre. Le danger est écarté. Del Piero. Mais défensivement, c'est parfaitement maîtrisé.
Ils peuvent marquer encore sur ce centre. Yaya Touré, il a vraiment une super couverture de balle. La défense ne sait plus où donner de la tête, à mon avis, il va craquer. Grigera. Il reprend le ballon. Sur l'aile, il peut aller au bout. Et il est dégagé. Défense qui réussit à mettre ce ballon en touche. Débordé sur le côté, utiliser la vitesse. Oui, il peut marquer. Messi. Bien sauvé par le gardien, bien joué aussi de la part des défenseurs. Le danger est écarté. Sissoko. Amaury. Avec Sissoko. Diego. Avec Amaury. Et faute incontestable. C'est une vraie occasion d'égalisation. On s'est bien travaillé. Le gardien était battu. Mais ça passe à côté. Ah, il leur aura manqué cette petite touche de clairvoyance. Vraiment, en plusieurs occasions, ils ont vraiment du mal à conclure. Chiellini. Il y a un petit peu d'hésitation dans ce jeu. Ils ont le ballon, d'accord, mais ils ne savent pas trop comment l'exploiter en ce moment. Jusqu'au bout. Et c'est dedans et le gardien n'a rien pu faire. Un match totalement relancé maintenant. À partir du moment où il a reçu le ballon, il n'a eu qu'une seule idée en tête. C'est la mettre au fond. On sent la colère qui gronde dans les tribunes, public pas content du tout de ce qu'il voit actuellement sur la pelouse. Égalité parfaite, 1-1, c'est reparti. Et après un relâchement coupable de la défense, il va falloir vraiment se remettre dans le bain pour repartir rapidement. Ibrahimovic, c'est dedans, il frappe un grand coup, encore une fois, il reprend l'avantage de cette rencontre. On le sait pourtant que c'est dans les 5 minutes qui suivent l'égalisation qu'il faut être vigilant. Le doublé pour lui. Et le match, bien sûr, est loin d'être joué. Ça, c'est bien fait. C'est bien pour garder le ballon. Diego. Molinaro. Avec Del Piero. Avec Diego. Felipe Melo. Avec Sissoko. Bon pressing. Il récupère le ballon. Daniel Alves. Mais le tableau indique une minute de temps additionnel. Messi. Avec Xavi. Attention, attention. Oh, l'occasion énorme. Oh, super. Superbe, les voilà maintenant avec deux buts d'avance.
passer à travers. C'est vraiment un manque de concentration. Comment le ballon a-t-il pu lui glisser aussi facilement? Et de 3, il réussit tout ce qu'il entreprend aujourd'hui. Deux buts séparent ces deux équipes. Maintenant, le prochain sera sans doute crucial. À quel bon moment, juste avant la mi-temps, ce break. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Là, c'est toujours une bonne chose de rentrer avec une avance aussi importante à la mi-temps. L'entraîneur peut être satisfait de ses troupes. Eh bien, la première période se termine sur ce score de 3 buts à 1. C'est parti pour 45 minutes. Je suis sûr qu'on va voir des buts. Et pas de changement alors qu'on entame la seconde période. On a constaté aucune baisse de rythme pour l'instant. Et bien sûr, l'entraîneur ne souhaite qu'une seule chose, que ça continue comme ça. Avec Messi. Pour Iniesta. Ils font preuve de patience. Le ballon circule bien. Et les défenseurs sont baladés. Diego. Camoranesi, Amaury. Amaury. Il la touche des points sans la capter. Corner. Il joue au premier poteau. Oh, attention, ça peut revenir. La tête superbe. Oh, le but. C'est dedans, un match peut être relancé. Allez, c'est pas terminé. Avec le coup de boule qui vient de mettre dans le ballon, je ne crois pas que le gardien avait une seule chance. Il mène 3-2. Beaucoup de tension des deux côtés. On sait maintenant que le prochain but est crucial. Ibrahimovic. Mais il a déjà réussi un coup du chapeau aujourd'hui. Avec Puyol. Pour Abidal. Faute indiscutable. Coup franc. Et s'ils encaissent un but maintenant, ils seront peut-être sans danger pour le gardien. Yaya Touré. Daniel Alves. Ils ont littéralement confisqué le ballon. Franchement, c'est bien joué. Del Piero. Bien vu. Xavi. Iniesta. Ibrahimovic. Il s'est désintéressé du ballon, coup franc logique. Voilà une belle occasion de tirer au but. C'est bien dosé. La frappe du droit, mais ça n'inquiétera pas le gardien. Grigera. Felipe Melo. Avec Del Piero. Pour Diego. Pour Amaury. Il faut bien le reconnaître, il s'accroche encore, le ballon circule bien. Il faut concrétiser maintenant ses mouvements.
Les défenseurs semblent un peu perdus, ils n'arrivent pas à récupérer. Attention, ça peut être dangereux. C'est trop chaud pour le gardien. Tranquille pour le gardien. Abidal. Iniesta. Ibrahimovic. Bien vu de la part du défenseur. Il dégage en corner. Joli ballon au premier poteau. Oh, ça va vite. C'est bien d'ouvrir le jeu. Allez. Voilà un bon dégagement. Amaury, il a marqué un but décisif dans ce match. Avec Diego. Ça c'est bien sur le plan défensif. Il donne le ballon au gardien. Puyol. Et Yaya Touré. Avec Iniesta. Pour Yaya Touré. Il gêne son adversaire et récupère la balle. Amaury. Ça c'est bien défendu, le danger est repoussé. Bien joué. Camoranesi. Sissoko. Xavi. Et le duel est gagné, c'est bien. Oh, ça doit être au fond, ça. Del Piero. Oh oui, l'égalisation, on ne s'y attendait plus. Et pourtant, ils ont recollé au score. Quel match incroyable. C'est super, mais quelle agilité, quelle promptitude pour pouvoir se mettre sur son pied droit. C'est un but magnifique. Le coach qui veut sûrement appliquer une nouvelle tactique. À 3 partout, ça va être un match acharné jusqu'au bout maintenant. Vous voyez, malgré que le score leur était défavorable, ils ont continué à jouer leur jeu et finalement ça finit par payer. Le dernier face à face de Jensen. Jusqu'au bout. Oh, le but. Le but, et c'est bien sur un plan psychologique de reprendre l'avantage à ce moment du match. Au lieu de continuer à se congratuler, ils auraient mieux fait de se replacer. Alors les Italiens appelleraient ça un poker. 4 buts pour un seul joueur dans une rencontre. L'entraîneur apporte quelques améliorations. Le match reprend donc et quel score, n'est sans doute pas au bout de surprise. Bien joué, le ballon est récupéré. Messi. Il a réussi une passe décisive depuis le début du match. Daniel Alves. Et retournement de situation, il a le ballon. Quelle panique dans cette défense, ça peut être dangereux. C'est trop, beaucoup trop dans les nuages. Mais ce but les aurait mis complètement à l'abri. Cela dit, je pense qu'il ne risque pas grand-chose pour la fin. Il y aura une minute d'arrêt de jeu. Joli duel, il a gagné le ballon.
Iniesta. Gudjonsen. Puyol. Et c'est fini, le coup de sifflet final de l'arbitre. Victoire méritée, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle de la première à la dernière seconde. Félicitations aux 22 acteurs, c'était une belle performance collective.